J'habite seul avec maman dans un très vieil appartement, rue Sarrazade. J'ai pour me tenir compagnie une tortue de canarie et une chatte pour laisser maman reposer. Très souvent, je fais le marché et la cuisine. Je range, je lave, j'essuie. À l'occasion, je pique aussi à la machine. Le travail ne me fait pas peur. Je suis un peu décorateur, un peu styliste. Mais mon vrai métier, c'est la nuit que je l'exerce travesti. Je suis artiste. J'ai un numéro très spécial qui finit en nu intégral après striptease. Et dans la salle, je vois que les mâles n'en croient pas leurs yeux. Je suis un homme, comme ils disent. Vers les 3 heures du matin, on va manger entre copains de tous les sexes dans un quelconque bar tabac. Et là, on s'en donne à cœur joie et sans complexe. On déballe des vérités sur des gens qu'on a dans le nez. On les lapide, mais on le fait avec humour, enrobé dans des calembours, mouillé d'acide. On rencontre des attardés qui, pour épater leur tablé, marche et ondule. Saint-Jean, ce qu'il croit être nous, et se couvre les pauvres fous de ridicule. Ça gesticule et parle fort, ça joue les divas, les ténors de la bêtise. Moi, les lazy, les colibets, me laisse froid, puisque c'est vrai, je suis un homme, comme ils disent. À l'heure où naît un jour nouveau, je rentre retrouver mon lot de solitude. J'ôte mes cils et mes cheveux comme un pauvre clown malheureux de lassitude. Je me couche mais ne dors pas, je pense à mes amours sans joie, si dérisoire. À ce garçon beau comme un dieu qui sans rien faire a mis le feu à ma mémoire. Ma bouche n'osera jamais lui avouer mon doux secret, mon tendre drame. Car l'objet de tous mes tourments passe le plus clair de son temps au lit des femmes. Nul n'a le droit en vérité de me blâmer, de me juger. Et je précise que c'est bien la nature qui est seule responsable si je suis un homme, comme il dit.